Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo de la série La vérité sur, trois petits points. Aujourd'hui, alors changement complet de thème, après le café, on va passer aux cigarettes, ou plutôt ce qui a longtemps été sponsorisé par des cigarettes, la Formule 1. Donc, la vérité sur la Formule 1, et plus particulièrement, alors j'ai sélectionné une période vraiment que j'ai trouvé intéressante, qui m'avait moi-même passionné, hein. C'est la période fin des années 80, début des années 90, à savoir le grand duel entre Alain Prost et Ayrton Senna. Alors tout d'abord, bon, si vous découvrez, bon, peut-être la, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas du tout la Formule 1, quand même, rebrosser rapidement le contexte. Donc c'est un format auto. Alors le premier championnat de Formule 1, c'était en 1950. Là, comme tout le monde le sait, la première grande vedette de Formule 1 a été le pilote Fangio. C'est d'ailleurs resté une expression en disant « tu conduis comme Fangio ». Alors, Fangio a été 5 fois champion du monde. C'est un record qui a longtemps tenu, hein, jusqu'à Schumacher. Il a été champion en 51, 54, 55, 56 et 57. Alors, plusieurs particularités. Il a été champion du monde dans 4 écuries différentes, donc 5 fois champion du monde dans 4 écuries différentes, dont Alfa Romeo et Ferrari. Et c'est un pilote qui a encore des statistiques assez hallucinantes, hein. Il a 24 victoires en Grand Prix pour 53 courses disputées et 29 pole positions. Donc 24 victoires pour 53 courses disputées, c'est très peu, hein, 53 courses disputées, ce qui fait un très très beau ratio, et ce qui fait, alors bien que ce record de 5 victoires a été dépassé par Schumacher, que le nombre de victoires même, 24, a été très largement battu, lui, parce que il y a plus de grands prix dans les saisons maintenant, ça fait quand même ce ratio de Fangio, ça fait que ça reste quand même un pilote unique. Voilà, il n'y aura pas, ça se reverra plus, 5 titres dans 4 écuries différentes, des écuries mythiques, hein, Alfa Romeo, Ferrari, et un ratio 24 victoires pour 53 courses, voilà. Donc, les années 50, donc voilà, dominé par Fangio. Les années 60 étaient plus des années un peu anglaises, hein, avec des pilotes gentlemen. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait de l'argent, bon, il en faut toujours, hein, mais il fallait de l'argent pour courir en Formule 1. Alors, de l'argent, bien sûr, pour les écuries, mais aussi pour les pilotes qui achetaient des volants, etc. Donc, c'était les années vraiment de gentleman. Alors, s'il y a un nom à retenir, c'est peut-être le pilote Lotus Jim Clark, donc vainqueur en 63 et en 65 du championnat du monde de Formule 1. 25 victoires pour 73 courses. Et alors, qui était un pilote qui a couru sur à peu près tous les formats. Il a fait de la F2, d'autres compétitions motorisées, et considéré aussi comme un des plus grands pilotes, et qui s'est tué en 68, je crois, dans une course de Formule 2. Ensuite, donc, parmi les grands champions, bon, j'en oublie, hein, mais on peut citer Jackie Stewart, bien sûr, lui titré en champion du monde en 69, 71 et 73. Alors, ces titres de 71 et 73, c'était chez Ford, mais il y a quand même un cocorico, parce que son premier titre, en 1969, il courait chez Matra, qui était une écurie franco-française. Donc, c'est quand même très rare et assez rare pour être signalé. Donc, écurie 100% française, 1969, mais avec un pilote écossais, Jackie Stewart. Donc, d'autres pilotes qui ont marqué, bon, il y a eu bien sûr Niki Lauda, qui a eu droit à un film, d'ailleurs, sur sa rivalité avec le pilote britannique James Hunt, donc lui, vainqueur en 75 et en 77 sur Ferrari, et ensuite vainqueur, alors, un peu plus tardivement, en 84, devant Alain Prost, notamment, chez McLaren. Niki Lauda était aussi chez McLaren, donc il gagne en 75 et en 77 chez Ferrari, et en 84, chez McLaren. Bien sûr, il est réputé pour son fameux accident lors de la saison 76 qu'il perd de peu face à James Hunt. Pour ça, il y a un film qui est pas mal foutu du tout, c'est le film Rush, qui est
qui date de, je sais pas, d'un an ou deux ans, je crois, qui raconte cette fameuse histoire, surtout avec les moyens du cinéma moderne, les courses sont très bien retranscrites. Voilà, donc, les années 50, Fangio, les années 60, les années anglaises, les pilotes gentlemen avec Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda, et on arrive doucement aux années 80, et donc à ce qui nous intéresse, le contexte de cette bataille, qui est une des plus belles batailles, alors, de confrontation qu'il y a eu entre pilotes en Formule 1, mais je trouve en sport en général. Disons que Prost-Senna, ça équivaut à du Lendl-McEnroe, quoi, au niveau mythe sportif. Alors, tout d'abord, on va un peu s'intéresser au contexte de l'arrivée de Senna chez McLaren en 1988. Donc, en 88, Prost est déjà un pilote expérimenté, hein, il est de 55, ouais, Prost. Donc c'est déjà un pilote de 33 ans, deux fois champion du monde chez McLaren en 85 et en 86. McLaren, à l'époque, équipé du moteur TAG Porsche. Bon, il avait un passé. Hein. En plus de ça, Alain Prost avait été chez l'équipe Renault Elf, 100% française, qui avait de peu réussi à rééditer l'exploit de Matra avec Jackie Stewart, justement, en 83, en terminant deuxième du championnat. Derrière Nelson Piquet, qui, bon, un championnat un peu borderline, qui aurait pu peut-être se gagner sur tapis vert pour Alain Prost, parce que l'essence utilisée par Nelson Piquet était, paraît-il, pas conforme. Bon, Renault, par peut-être esprit chevaleresque, n'a pas porté plainte et n'a pas voulu gagner le championnat 83 sur tapis vert. Enfin, Prost aurait déjà pu être triple champion à l'arrivée d'Ayrton Senna, mais c'est comme ça. Donc Prost, un passé déjà chez Renault Elf, il est passé, donc 85-86, il gagne le championnat sur McLaren équipé du moteur TAG Porsche. Et en 87, on a une saison alors dominée par le tandem Nelson Piquet, toujours, et Nigel Mansell sur Williams Honda. Donc Williams, à l'époque, était associé au motoriste Honda. Et c'est dans cette configuration qu'arrive en 88 recruter Ayrton Senna. Alors, Senna, c'est pas le premier venu. En 88, il a quoi, 20... Il est de... Attends, alors là, je suis obligé de voir l'antisèche. Il est de 60, donc il avait 28 ans, donc pilote plutôt jeune. Il a déjà un beau passé, il a déjà 6 victoires et 16 pole positions qu'il a eues dans sa précédente équipe chez Lotus. Et Alain Prost ne refuse pas le challenge, parce qu'il y avait quand même du challenge, parce qu'il faut savoir qu'en 87, donc, où Piquet et Mansell terminent respectivement 1 et 2 du championnat avec leur Williams Honda, le troisième du championnat, c'est pas Alain Prost, c'est Ayrton Senna sur Lotus. Prost n'est que quatrième, il était pourtant champion en titre. Nouveau changement aussi chez McLaren, en plus de l'arrivée de Senna, c'est le changement de motoriste. Et là, on va rentrer dans les belles années McLaren-Honda. Donc, McLaren quitte le partenariat avec TAG Porsche et s'équipe du moteur Honda. Donc, on a le tandem Senna, donc l'étoile vraiment montante, mais pas si jeune, 28 ans, hein, c'est pas non plus un tout jeuneau quand il arrive chez McLaren. Parfois, alors c'est vrai qu'il a toujours eu un visage juvénile et qui n'a pas changé même jusqu'à Imola. Hein. Enfin, en gros, il n'avait pas de... le visage pas marqué, donc on a l'impression d'une sorte d'éternelle jeunesse, mais il était déjà un pilote expérimenté de 28 ans quand il arrive chez McLaren avec Alain Prost qui lui, bah, 33 ans et déjà un peu un vieux de la vieille, quoi. Et c'est comme ça que commence cette saison 88 avec donc un moteur Honda au point que McLaren sait bien mettre au point et 15 Grands Prix sur 16 remportés par McLaren en 88. Donc, le tandem Senna-Prost fonctionne à merveille, ils s'entendent bien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une saison où le règlement a été changé et seulement, donc il y a 16 Grands Prix, mais seules les 11 meilleures performances sont conservées dans le compte. Or, en comptabilisant tous les points, Prost marque 105 points et Senna 94. Mais avec ce nouveau règlement, Senna, donc en ne retenant que les 11 meilleurs résultats, c'est Senna qui l'emporte et qui est donc champion du monde, 90 points à 87. Donc Prost plus régulier, mais Senna marquant plus de résultats marquants. Plus régulier et meilleur en course, Prost,
et Senna beaucoup plus rapide. Alors, on voit ça au nombre de pôles, hein. Senna fait 13 pole positions contre 2 pour Alain Prost. Donc voilà, au niveau de la rapidité pure, il n'y a pas photo. D'ailleurs, les pole positions, on en parlera quand on fera un peu le bilan de tout ça, mais ça reste le record de Senna, enfin, qui a été dépassé depuis par Schumacher, mais ça reste le dada d'Ayrton Senna. Mais Prost, plus régulier en course, mais comme c'est une saison qui favorise uniquement les très bons résultats, les 11 meilleurs Grands Prix sur les 16, Senna devance Prost 90 à 87. C'est ainsi. Donc dans cette saison, il y a eu quand même une belle bataille. Et la revanche de 89. Et en fait, les relations étaient bonnes, hein, entre Senna et Prost. Mais c'est en 89 que ça va vraiment changer. Alors, il y a déjà un changement technologique en 89, à savoir que c'est la fin des moteurs turbo-compressés, qui étaient alors très rapides, avec une explosion de puissance, mais jugés dangereux et qui sont remplacés par les moteurs atmosphériques. Alors, c'est une saison où il y a 6 victoires pour Senna, 89, 4 pour Prost, mais toujours une plus grande régularité de Prost, avec moins d'abandon. Et le dénouement de cette tragédie se joue au dernier Grand Prix, avec Prost qui est quand même en avance sur Ayrton Senna. Et c'est là où les avis divergent. C'est un peu comme Senna-Prost, c'est un peu comme Beatles et Rolling Stone. On ne peut pas aimer les deux. Il y avait vraiment un clivage. Donc il y a deux versions de l'événement que je vais vous raconter maintenant. Donc on est au dernier Grand Prix, donc au Grand Prix du Suzuka au Japon. Prost est en avance sur Senna, mais Senna peut encore l'emporter. Et Prost aurait, selon ses dires, prévenu Senna en disant « Écoute, si tu m'attaques, je te ferme la porte. » Voilà, il avait dit clairement. Donc, le Grand Prix se déroule. Prost est devant, Senna essaie de dépasser Prost, et Prost lui ferme la porte. Alors, vrai ou pas, j'en sais rien. C'est très, c'est très borderline. Vous pouvez revoir, je pense que sur YouTube, il y a encore les images. Est-ce que c'est Prost qui a fermé de manière irrégulière la porte? Bon, c'est très borderline. Toujours est-il que Senna, en fait, qui n'aurait pas dû repartir, repart. Et finalement est disqualifié, donc il gagne le Grand Prix, il est disqualifié, si bien que Prost est champion du monde en 89 et une troisième fois champion du monde. Alors, les relations sont complètement pourries entre les deux pilotes, et en 90, Prost part chez Ferrari. Alors là, il y a un défi, donc chez Ferrari, il est équipier avec Nigel Mansell. C'est un championnat très serré, donc les McLaren Honda sont toujours très fortes. McLaren Honda, c'est quand même 88, 89, 90, 91 au niveau du championnat des pilotes. Hein. C'est pas n'importe quoi. Mais il y a une vraie lutte. Et Prost peut lutter jusqu'au dernier moment. Il n'y a aucune pole position pour Alain Prost. Mais il fait quand même une très bonne saison. Et rebelote au dernier Grand Prix, qui est le Grand Prix du Japon, toujours à Suzuka, où Prost a les moyens de gagner le championnat s'il gagne le Grand Prix, mais il prend un meilleur départ qu'Ayrton Senna. Mais malheureusement, Ayrton Senna va, là, c'est indiscutable, rentrer directement dans Alain Prost, foutre tout le monde sur le bas-côté, enfin, les deux en tout cas, double abandon, et donc Senna garde son résultat global, et donc remporte son deuxième championnat. Alors, si la manœuvre d'Alain Prost était borderline en 89 à Suzuka, bon, en revanche, la manœuvre de Senna en 90 est indiscutablement dégueulasse. Alors, Senna a évidemment pseudo-justifié en disant qu'en gros, c'était la revanche de 89. Donc, c'est là où est le truc. Certains diront, en fait, en 89, qui a commencé les hostilités, en fait? Certains diront, c'est Prost, en fait. Le méchant, entre guillemets. Bon, si tant est qu'il y a un méchant, mais celui qui a merdé d'abord, c'est Prost en 89, en fermant la porte violemment à Senna. Et une autre optique étant de dire, non, en 89, la manœuvre de,
de Prost était parfaitement régulière. En revanche, c'est celle de Senna qui était régulière. Bon, ça, Prost, Senna, Senna, Prost. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt apaisé, mais c'est marrant. Je vois qu'il y a parfois des vidéos qui ressortent, qui essaient encore de faire la justice et la lumière sur ces années 89-90. Alors, en 91, bon, Senna est seul au monde. Donc, Nigel Mansell quitte Ferrari et part chez Williams-Renault. Ferrari, donc c'est le tandem Alain Prost et Jean Alesi. En revanche, la Ferrari n'est plus du tout compétitive. Donc, Williams-Renault monte en puissance. Ça commence à être fort, mais pas assez fort pour le moteur V12 Honda qui carbure chez McLaren et Senna écrase complètement la saison. Donc suite à ça, Alain Prost est enfin plus ou moins prié de quitter Ferrari. Bon, officiellement il a démissionné, mais en fait je pense qu'on l'a plutôt foutu à la porte. Enfin ça reste seul lui pour répondre à cette question. Enfin, toujours est-il qu'il y a une saison 92, bon, un peu particulière, où bon, le moteur McLaren Honda est carrément vieillissant et ne fait plus rien. Donc il était à son apogée en 90-91. 92, il est vraiment rattrapé par le temps. Et là, c'est Williams-Renault qui rafle tout avec Nigel Mansell, qui est champion du monde à 39 ans. Donc un beau championnat du monde. L'émergence de Benetton Ford avec une victoire de Schumacher à Spa. Voilà, donc Prost fait une année sabbatique. Pour lui, c'est une année sabbatique, 92. Et à la fin de la saison 92, début 93, il annonce son retour. Il se met d'accord avec Williams-Renault, parce que Williams-Renault se sépare de Nigel Mansell, bon, qui est déjà un pilote vieillissant, champion du monde en titre, hein, mais vieillissant. Ils sont spécialistes hein, pour se séparer de champion du monde en titre. Ils ont fait le coup aussi avec Damon Hill, champion du monde en 96, qu'ils n'ont pas reconduit. Enfin bref. Et donc Prost veut bien aller chez Williams-Renault à une condition, cette fois-ci, c'est de ne pas avoir Senna, de ne pas être en binôme avec Senna, parce que Senna, en gros, avec sa McLaren équipée d'un moteur Honda V12 plus compétitif, a envie quand même d'un volant pour pouvoir gagner d'autres championnats, mais donc envisage un temps de partir, tout simplement, dans une équipe compétitive, mais Prost, en arrivant chez Williams, pose une condition, c'est moi seul. Enfin, moi seul et un autre pilote, qui sera Damon Hill, d'ailleurs. C'est moi seul, mais en tout cas, pas Ayrton Senna. Donc, il change d'optique par rapport à 88, où au contraire, il était plus dans le trip de faire vraiment la meilleure équipe, avec le meilleur châssis McLaren, le meilleur moteur Honda, et les deux meilleurs pilotes. Là, c'est plus du tout. En gros, il veut le meilleur volant pour lui. Bon, après, c'est légitime. Hein. Donc, Senna, finalement, reste chez McLaren. McLaren qui change de moteur, qui s'équipe en McLaren avec le V8 Ford. Donc, et 93, alors, c'est le peut-être, techniquement, chez beaucoup de spécialistes, c'est le meilleur championnat d'Ayrton Senna. Donc, bien sûr, le moteur McLaren Ford n'est pas encore au point, ou il ne le sera jamais vraiment, mais il monte en puissance tout de même. Et il y a des démonstrations d'Ayrton Senna, notamment on peut penser au Grand Prix de Donington, Grand Prix d'Europe, donc sous la pluie, où Senna fait une vraie démonstration de pilotage. Voilà, donc au niveau pilotage pur, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une saison techniquement très forte pour Ayrton Senna. Prost assure quand même, bon, il a la meilleure voiture, voilà. Et il termine en tête, donc Prost gagne le championnat devant Ayrton Senna. Donc voilà, là on est vraiment dans les années Williams, hein, 92-93, c'est la Williams-Renault vraiment dominante. Donc Prost, il faut savoir, avait signé pour 2 ans chez Williams-Renault. Bon, finalement il ne va pas reconduire, alors il gagne son 4e titre hein, en 93, mais il ne va pas reconduire son contrat. Voilà, il arrête finalement au bout d'une seule année. Bon, il avait d'autres choses en tête, on sait, hein, il voulait monter. Il a monté d'ailleurs une écurie qui a fait un flop monumental, Prost Grand Prix, mais bon,
il arrête la compétition. Et donc, en 1994, Ayrton Senna quitte McLaren et va chez Williams. Alors, chez Williams reste le deuxième pilote, qui d'ailleurs avant était pilote d'essai, Damon Hill, qui fait une bonne saison en 1993, hein, en gagnant 3 Grands Prix d'affilée. Et Damon Hill qui a l'expérience vraiment du pilote d'essai. Donc ça, c'est un mec qui peut s'adapter à des voitures pas forcément taillées pour lui. Bref, il a vraiment l'adaptabilité. Il le prouvera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa carrière chez Jordan en offrant un Grand Prix à l'écurie de Jordan en 98 ou en 99, je crois. Mais voilà, 94, on a donc Senna en premier pilote et Damon Hill en deuxième pilote chez Williams. Et on a l'émergence toujours de Schumacher avec la Benetton Ford qui commence à être vraiment, vraiment au point. Alors, les deux premiers Grands Prix, c'est des pole positions d'Ayrton Senna. Le troisième aussi, d'ailleurs, sera une pole position d'Ayrton Senna, mais on en reparlera un peu après. Simplement, bon, la Williams apparemment est assez capricieuse cette année-là. Senna apparemment ne se sent pas chez Williams. Bref, c'est un gros flop et les deux premières courses, c'est des abandons d'Ayrton Senna. Et Schumacher gagne ses deux premiers Grands Prix. Alors, je crois que c'est lors du deuxième Grand Prix où Senna est resté au bord de la piste après un abandon. Écoutez, il le rédit en commentateur, il y a quelque chose qui cloche dans le son de la voiture de Schumacher. Il doit y avoir de l'assistance au pilotage ou un truc comme ça. Et effectivement, ça a été le cas avec des points de retrait pour l'écurie Benetton. Bon, ce qui n'a pas empêché Schumacher de gagner en 1994 à un point face à Damon Hill. Mais voilà, Senna avait déjà entendu ça du bord de la piste. Mais arrive le troisième Grand Prix, le fameux Grand Prix d'Imola. Donc un Grand Prix ponctué avec des essais catastrophiques. Avec un mort, je crois le pilote Ratzenberger, qui trouve la mort. Et Senna apparemment qui commençait à flipper. Bon, et là, il y a quelque chose de particulier. Bon, comme on sait, c'est le Grand Prix où il va trouver la mort. Mais donc, il a la pole position quand même à Imola. Mais c'est là où, dans l'inconscient collectif, parce que je me souviens vraiment beaucoup de... Bon, il y a eu beaucoup... on a parlé de ça au JT, tout ça, pendant le Grand Prix. Il y avait l'image, en gros, du Senna fauché en pleine ascension et qui aurait pu peut-être gagner 7 ou 8 titres. Mais, alors, peut-être, hein, après, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Mais en 94, Senna, c'est déjà quand même un pilote de 34 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas le... C'est plus le jeune pilote de Lotus qui donnait la leçon à tout le monde dans les mauvaises conditions, ou le fougueux pilote de McLaren Honda. C'est déjà un pilote de 34 ans, donc qui a le gros de sa carrière derrière lui. C'est un pilote, il avait fait des confessions, qui commence à avoir peur en course. C'est un pilote que l'accident de Ratzenberger avait marqué. Donc bref, c'est plus le top du Ayrton Senna, quoi. Et surtout, il y a Schumacher quand même, qui lui était émergent, la Benetton Ford qui commence vraiment à être très au point, et Schumacher va, après 94, récidiver en 95. Donc on voit que vraiment, il y avait une montée en puissance, donc avec Dessy, on pourrait mettre en bouteille, donc Paris en bouteille, donc c'est pas dit que si Senna avait survécu, enfin n'avait pas eu ce crash, il aurait été champion du monde. Ça, rien n'est moins sûr, on peut jamais dire ce qui se serait passé. Toujours est-il que ce qui s'est passé, en revanche, ce dont on est sûr, c'est que Senna s'est pris un mur, donc à Imola, donc il était en tête, hein, il a eu la pole position, il était en tête, talonné par Schumacher, et bon, il prend le mur de plein fouet. Voilà, donc c'est la fin pour Ayrton Senna. Prost, suite à ça, je crois, a eu quelques hésitations à peut-être revenir en F1, je crois qu'il avait fait des essais chez McLaren, mais en restant finalement un poste de conseil. Et finalement, il voudra recréer une grande écurie française, ce qu'il va faire, mais elle ne sera pas grande, ce sera Prost Grand Prix, avec aucune victoire et quelques points marqués, mais pas grand-chose. Voilà, donc. Alors, s'il y avait eu ce mot quand même, parce que vous savez, il y avait lors des essais libres, en fait, il y a un pilote qui avait une caméra embarquée et qui pouvait faire des commentaires du tour de piste. Et c'est marrant parce que c'était Senna qui faisait le commentaire pour Imola. Et il y a ces fameuses phrases de « Alain, tu me manques », etc. Donc, c'est plus pareil sans toi, bref. Donc, c'est vrai que Senna avait peut-être besoin
d'Alain Prost et Alain Prost de Sénat pour briller, à savoir que finalement, ce qui était beau dans ces deux pilotes, c'est le duel qui se sont livrés. Alors, Prost, bon, ça restera 4 titres de Formule 1, 51 victoires, 33 pôles. Sénat, 3 titres, 41 victoires, 65 pôles, donc des monstres, hein, des monstres. Alors après, qui est l'éternelle question? Et bon, ça c'est vrai que ça m'a, bon, pour avoir longtemps suivi la Formule 1, et bon, je l'ai suivi en fait jusqu'au deuxième titre d'Alonso, donc jusqu'en 2006. Après, j'ai plus du tout suivi la Formule 1. Enfin, je suis vaguement les résultats, mais avant, je suivais vraiment tout, là, voilà. Mais que retenir? Bon, il y a eu parfois l'image, je crois, d'un... En gros, Alain Prost, bah, c'est le professeur, hein, c'était son surnom, même le professeur, le metteur au point, mais un peu froussard. Et Prost, c'est au contraire le grand pilote, mais qui ne sait pas mettre au point. Bon, ça, je crois que déjà, qui met au point, qui ne met pas au point, c'est des choses qui parfois restent dans le secret des écuries. Certes, Prost avait vraiment une expertise à ce niveau-là, mais Senna, enfin, n'était pas un manchot non plus sur son ressenti de ce qui était bien pour lui ou pas sur une voiture, quoi. Donc, faut pas non plus voir Senna comme un écervelé un fou furieux au volant. D'ailleurs, il avait en course des comportements beaucoup moins agressifs et dangereux qu'un mec comme Nigel Mansell. Mansell, c'était un vrai psychopathe au volant. C'était un taré, vraiment un taré jusque boutiste. Senna, quand même pas. Alors, Senna, oui, il y a entaché, surtout bon, pour quelqu'un qui a un peu la fibre patriote, il y a ce championnat où Prost peut ramener le titre chez Ferrari en 90. Donc, en plus, quelque chose de prestigieux, hein, gagner avec Ferrari, c'est toujours une carte de visite. Bon, bien que Prost n'avait plus rien à prouver, mais voilà. Mais, et où Senna, c'est vrai, avec une manœuvre complètement atroce, vient vraiment, c'est pas fermer la porte, mais vient rentrer dans Alain Prost, pour le priver du titre. Après, attention, pour le priver du titre, si Senna ne rentrait pas dans Prost, c'est pas dit, il fallait encore que Prost gagne. Hein, donc voilà, avec des si, comme on dit, on pourrait mettre pareil en bouteille. Donc, faut pas non plus réduire Senna à cet acte de Suzuka 1990. Ça reste malgré tout quelqu'un qui sentait bien sa voiture. C'est vrai qu'il a gagné que sur McLaren. Mais après, bon, c'est pas le seul pilote à avoir gagné sur un seul châssis. Hein. Ça, y en a d'autres. Prost, c'est vrai, il a eu une carrière d'Annecy quand même. Il y a eu quand même, donc, Prost champion en 85 et en 86 avec McLaren. C'est vrai qu'en 87, en revanche, complètement dominé par les Williams Honda de Nelson Piquet. Donc voilà, il y a plusieurs. Prost a aussi été dominé par d'autres personnes qu'Ayrton Senna. Il n'y a pas eu qu'Ayrton Senna pour dominer Prost. Bon, Senna restera aussi sa saison 93, alors où il ne gagne pas, mais où avec une voiture vraiment inférieure, il fait une démonstration de technique tout au long de la saison, dont ce Grand Prix de Donington sous la pluie. Voilà, donc, qui est le meilleur, j'en sais rien, c'est deux très grands pilotes au coude à coude, et je crois que ce qui résume le mieux, c'est la fois où ils ont eu le même volant, à savoir les saisons 88-89, qu'ils gagnent chacun, c'est marrant, de manière discutée et discutable, et ça résume bien, en fait, deux saisons qu'ils ont tous les deux dominées, et où, en fait, ça fait jeu égal, quoi. Voilà, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo de retour au thème dominant quand même de cette chaîne YouTube qui est la théologie, ou peut-être un autre épisode de La Vérité sur un autre thème. Voilà, salut!